Hop, Paul Ricard, le genou flash est 47. Nickel. Pécable, on ralentit, chicane, bam, intérieur. On tourne. Évitement. Oulalalalala, ça fait longtemps. Salut les amis, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on l'attendait? Vous m'avez envoyé des milliers de messages, mais en même temps, c'est de ma faute. Ça fait plus d'un an que je vous tease ce moment, le passage du permis moto. Et c'est aujourd'hui qu'on va commencer la série des vidéos sur le permis moto catégorie A2. Les amis, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu. On est bientôt 200 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Dans cette série de vidéos, on va tout simplement détailler de A à Z le passage du permis moto en version A2, comme je l'avais fait pour le BSR. Le passage du permis pour les 50, il est juste en haut. Voilà, ça vous avait plu, plus de 200 000 vues, c'était incroyable. Donc aujourd'hui, on se l'armait la même pour le permis A2. C'est parti, on s'en va pour une série de vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'examen du plateau. Petite révision avant de passer l'examen du plateau. Et ensuite, on va se suivre pour l'entraînement pour la circulation. Je vais essayer de vous expliquer ça au mieux avec la voix off. Je tenais juste à vous faire une petite précision, c'est que j'ai filmé l'examen tout simplement. Alors là, l'inspecteur ne vient pas me retirer mon permis. Pour des raisons X ou Y, j'ai décidé de le modifier un petit peu. Tu sais, j'ai mis un petit peu des flous, j'ai capoté un petit peu. J'ai filmé tout simplement avec l'intercom, les amis. Du coup, la qualité vidéo n'est pas de ouf, mais la qualité audio, elle est top. Et du coup, moi, ensuite, derrière, je vais vous rajouter ma voix au fond montage. Du coup, vous allez bien comprendre. C'est pour ça que la qualité change un peu, mais vous inquiétez pas pour la circulation. On le fait directement avec la GoPro. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez pour ces vidéos sur le passage du permis. Si vous êtes en train de le passer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire. On se retrouve directement pour la vidéo. C'est parti, let's go. Les amis, je vous parle aussi du sponsor de cette vidéo qui est autre que Car Vertical. Aujourd'hui, les amis, Car Vertical, vous le connaissez tous pour vérifier les motos et les voitures. Donc aujourd'hui, on se trouve directement sur le rapport d'une BMW. Donc c'est une moto, c'est un GS. Vous allez voir, en fait, Car Vertical, ça vous permet, grâce au numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation, vous la mettez sur l'application Car Vertical, de voir si le véhicule a été volé. En l'occurrence, on a un petit check vert, il n'y a pas de vol. Le compteur kilométrique, attention, point d'exclamation, on va essayer de regarder pourquoi. Du coup, directement, il n'y a pas eu de vol, ça, il n'y a pas de souci, le véhicule n'a pas été volé. Concernant le compteur kilométrique, on peut voir qu'il y a eu 9 relevés de kilométrage. Du coup, ça, c'est super important. On va aller le consulter directement et on voit qu'il y a eu une fraude du kilométrage et une baisse tout simplement du kilométrage. On voit qu'il est passé de 22 000 à 4 000 pour ensuite repartir à 12 000. Là, il y a une petite fraude là-dessus. Faites très attention et demandez des explications au vendeur. Bon, là, s'il y a fraude sur le kilométrage, n'achète surtout pas ce véhicule. Au niveau des dommages, on voit qu'il y a pas mal de dommages. En fait, il y a eu 2 relevés de dommages. Donc, on a 4 000 euros de réparation estimée sur le premier dommage. Et pour l'autre, on n'a pas eu d'estimation. Donc, on est bien sûr le GS, le 1200 GS. Donc là, il faut faire très attention parce qu'en ce moment, les GS sont en train d'exploser. Donc, on voit que le véhicule vient tout simplement des États-Unis, les amis. Et ensuite, voilà, il est passé aux États-Unis. Lituanie, dommage détecté en Lituanie. Faut faire très attention. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc les amis, si vous souhaitez passer votre véhicule, que ce soit votre moto ou votre voiture, n'hésitez pas à le passer sur Car Vertical en premier lien de description. Vous avez moins 20% avec mon code Léonade. Franchement les amis, si vous avez une hésitation sur votre véhicule qui vient de l'étranger ou même en France, n'hésitez pas à le passer. On se retrouve directement pour le passage du permis A2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est les amis, ciao. Et re tout le monde les amis, du coup on se retrouve directement au guidon de la MT-07. Donc là on voit que j'enfile mes petits gants de beau gosse. A savoir que ce jour là j'avais tout simplement oublié mes gants. Ouais, ça me paraît logique, tu passes un examen, t'oublies tes gants. Du coup là je vous la fais en rapide parce que j'étais pas mal stressé en fait. C'était le jour directement de mon examen du plateau. Du coup là on se rend directement au plateau. Ce qui était bien avec mon auto-école, c'est qu'on faisait circulation et plateau en même temps. Donc en fait on n'avait pas rendez-vous au lieu de plateau. On partait de l'auto-école et on allait directement sur le lieu de plateau. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, je vous laisse directement ce que j'ai enregistré ce jour et dès qu'il y a besoin je vous fais une petite voix off. Bonne vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre les amis, passage du plateau, là je rigole moins. Hein. Non mais c'est parce que le voiture, j'y étais allé trop facilement la première fois, je l'ai pas eu. Du coup là cette fois-ci pour le moto, on va stresser un petit peu plus. Non, on va pas stresser, on va se dire que c'est dur parce que pour moi ça a pas l'air très très dur. Voilà, parce qu'à force de faire le plateau, on s'habitue à mort, mais bon là c'est vrai qu'avec le stress et tout, ça rajoute quand même une certaine pression, on va dire. Du coup, on va voir comment ça se passe. Là, on s'entraîne vite fait. Passage à 10h, il est 8h30. Donc là, on va s'entraîner vite fait. Et après, on va directement à l'examen. Et puis voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Super. On espère que ça va bien se passer. Je vais essayer de tout vous filmer. Ça sera une exclue sur YouTube si ça sort cette vidéo. Voilà. Normalement, je sais pas si on a le droit, mais bon. Je profite des avantages que m'offre mon petit Senna 50C. Frérot, la caméra embarquée, c'est une caméra cachée, une caméra super discrète, personne ne sait qu'elle est là. Mais elle fait le job, donc c'est normal si vous voyez un bout de casque. C'est parce que je filme pas la GoPro, ça je tenais à vous le dire. Voilà, je filme à l'intercom. Je ne sais pas du tout la qualité, mais voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Si jamais ça sort, c'est que le rendu est potable. Ou peut-être que j'ai raté mon permis aussi, peut-être que je me suis foiré, j'ai mis 15 pieds. J'ai paniqué, frérot.
Voilà, en tout cas, on va se préparer au max là. Je vais juste retravailler bien mon demi-tour passager parce que j'en ai pas fait des masses. Puis voilà, une fois que le demi-tour passager il est maîtrisé, le plus dur après reste peut-être l'évitement qui peut être une faute éliminatoire directement en cas de shootage de plot. Mais sinon, je vois pas d'autre chose. Après le lent, c'est vrai, mais après, avec le nombre de pieds qu'on a, honnêtement, là je fais le malin, hein, là je fais le mec serein, je fais le mec malin. Mais avec le nombre de pieds qu'on a, si on pose un pied au lent, si on pose un pied au passager, on est qu'à 2 pieds. Donc après, peut-être quoi, au demi-tour, au stop, ouais, on peut en poser encore un. Mais voilà, avant que ça soit éliminatoire, on peut en mettre 3. Donc là, on se rend directement au plateau. Franchement, si j'ai ce foutu plateau directement maintenant, je serais ravi. Frérot, ça voudrait dire que le permis, je l'ai passé en super rapide. Hop, les. En même temps, là, je travaille un petit peu la circuit. Enfin, un petit peu de circuit en même temps, tu vois, parce qu'on espère la passer dans pas très très longtemps. Normalement, ça sera mort pour cette semaine, parce qu'au niveau des délais, en fait, faut laisser 48 heures. Et donc, comme je passe un mercredi, ça sera impossible de passer fin de semaine. Enfin, je pense, du moins. Donc, à mon avis, ça sera semaine prochaine. Là, c'est bon, on peut libérer un petit peu de chevaux. Ah merde, on est déjà à la limite de nos chevaux. On y arrive vite, hein. Je sais pas si vous voyez la vitesse du coup avec le bout de casque. Mais on arrive vite à la limitation. Par contre, il caille, j'ai pas mes gants, j'ai fait une erreur de fou. J'ai pris une paire de gants dans laquelle j'étais super confort, mais qui date. Donc n'est plus homologué. Heureusement, mon petit moniteur, il a des petits gants, mais à mon avis, c'est des gants été, frérot, parce que là, j'ai plus de mains. Mes mains sont gelées. Et moi, je pars toujours dans les meilleures conditions pour passer mes examens. Soit je vais au bac avec un crayon qui marche pas, soit j'y vais sans calculatrice, soit pour le permis, j'y vais sans avoir mangé, une connerie comme ça. Moi, je suis jamais trop dans les bonnes choses, hein. Je vais avoir des doigts congelés. En plus, après, on doit aller à l'examen par la route. On va faire un petit peu d'autoroute ce matin, ça va bien bouchonner. Mais vraiment, je me mets toujours dans les pires conditions. Tu vois, il y en a, ils se préparent leur examen la veille, ils préparent tout. J'avais quand même préparé permis carte grise, mais les gants, frérot, j'y avais pas du tout pensé. Je m'étais plus questionné sur le casque, d'avoir une visière fumée pour l'examen, de ne pas avoir les bandes réfléchissantes. Je les ai, mais elles sont noires. Oh putain, regarde, on doit passer là. Oh, Zebi, on doit passer là. Bah là, je crois qu'on va partir maintenant, on va même pas s'entraîner, hein. Oh, on va même pas s'entraîner. Oh bah là c'est bouché hein. Oh bah là c'est bouché comme il le faut. Jeune départ au stop. Voilà. Le jeune départ au stop c'est déjà fait. Il s'est plutôt bien passé. J'ai envie de titiller la poignée là. Ah bientôt ça sera bon on espère hein. Faut vraiment l'avoir ce foutu plateau. Hop petit clignot. Petit genre contrôle. Là priorité. Si elle s'engage je la défonce. Moi je suis en moto poteau. Me dis pas que là voilà je suis là je bloque des passages. Je suis en moto. Ah non, mais ça se trouve, je l'ai pas laissé passer. C'était de ma faute. Pas de circulation. Je suis à journée. Alors qu'en moto, les priorités, j'ai envie de te dire. Tu fais gaffe, les priorités à droite. C'est pas ça, mais genre les priorités comme ça. Une moto, une voiture, elles peuvent passer. Hein. Le petit bus, poteau, le petit bus. Hop, le petit bus, il reste dans sa voie, je reste de ma voie, nous restons dans notre voie. Le petit bus en virage. Ça, mon loup. En vrai, c'est vrai. C'était vraiment moi, pour moi, la dernière période pour la voir au max du max. Sortie d'hiver, tu vois. Il y a quand même eu des week-ends où il a fait beau, j'aurais pu aller rouler, mais bon. Allez, maintenant on y est, on va être mi-avril. Là, si je l'ai pour mi-avril, fin avril, c'est bueno. Tu comprends, c'est bueno. Parce qu'après, l'avoir trop tard, c'est nul, parce que tu profites pas de ton été. Et l'avoir trop tôt, bah, c'est quand même bien, il y a quand même des events auxquels tu peux aller et tout. Mais après, on n'oublie pas que c'est l'hiver, donc l'hiver, il fait froid. Tu vois ce que je veux dire? Là, je me rends compte que cette MT, elle a pas les poignées chauffantes. Je me demande, tu vois, si avec des petits gants comme ça, les poignées chauffantes, est-ce que ça fait le taf? Est-ce que véridiquement ça fait le taf? Tu vois, c'est une option, pourquoi pas la mettre sur ma moto, tu vois? Tu vois, je me dis, la petite poignée chauffante sur un MT-07, ça fait peut-être pas esthétique, mais au moins ça fait confort. Parce que moi, dans ma région, je pense que les poignées chauffantes, ça régale. Il n'y a pas celle chauffante, ça c'est vraiment triste. Tu vois, un petit vélo comme ça, oh, comment tu peux te faire à journée? Hop, regarde, regarde. Hop, les. Tu le fais bien, tu t'écartes le maximum sans te mettre 30 dangers. Après, tu vois, quand c'est la limite de l'agglomération et de plus l'agglomération. Et là, frérot, je libère les chevaux, carrément, je pars. Je suis arrivé au plateau un peu plus vite que prévu et j'ai envie de te dire. Il me place les plots, donc ça veut dire on va y aller. Hein. On va faire des révisions, moi je te le dis. Recording. Plateau. De l'autre côté, c'est parti. Il est 9h02, sa mère.
Comme je vous ai dit, c'est le plus chiant, c'est le passager, c'est ici. Mais ici, le plateau, il monte, il fait comme ça. Donc, t'arrives sur le point du haut avec un ralenti. Monsieur, vous êtes prêt? Vous passez l'examen du permis. On y va. Hop. Bon, faut être lent, mais pas trop lent non plus. Comment je le trouve plus facile ce côté? Il y a toujours un côté qu'on trouve plus facile. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui passent ou qui ont passé le plateau. Pour moi, le plus bidon, c'est ici. C'est de ce côté. Ensuite, hop, comme ça, dans le couloir. Comme ça, je reviens là. Hop. Voilà. Comme ça ici. Ensuite, demi-tour. Ce demi-tour de ce côté-là, je l'aime pas trop. T'arrives ici. Petit demi-tour. Hop. Freinage d'urgence, tu montes à 50. Allez, allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On gaz, on freine. Ensuite, on arrive là. Là, on prend bien large pour tourner. Hop, voilà. Là, tu vois, toujours, toujours. On stresse pas. Hop, on s'arrête. Premier plot. Carrément, on est sur circuit. Je fais trop le malin, je fais trop le malin, je vais me faire ajourner. Ça, si je l'ai du premier coup, c'est vraiment Alléluia, à quelques jours après mon anniversaire. Évitement. Ok, du coup directement, je vais vous expliquer en fait comment ça se passait. Nous, notre plateau, il était assez restreint en fait au niveau de la largeur. Il était petit, il était très long mais petit. Et je parle bien que de la piste du plateau, bref. Donc là, directement, on se range et on fait des passages examen avec le moniteur qui va tout simplement nous chronométrer. Je vous rappelle que pour cette épreuve, il faut réaliser 16 secondes au minimum. Ouais, c'est bien ça, il me semble. Moi, j'étais plus sur les 17, 18, même des fois plus la vingtaine de secondes, hein. Donc là, vous voyez, on essaye de gratter sur la fin toujours. On essaye de gratter au maximum. C'est un petit conseil, hein, vous allez pouvoir gagner un temps fou en grattant sur la fin. Donc voilà, directement après on se dirige vers le stop. Donc là, pour l'arrêt, vous allez comprendre juste après que moi, je n'avais pas compris qu'on pouvait avoir une petite futilité pour pouvoir réussir plus facilement. Mais le moniteur va venir me l'expliquer directement après. Ce qui est bien directement avec cette auto-école, c'est qu'on n'est pas beaucoup en fait quand on fait les sessions de plateau. Au maximum, on est 3, donc répartis sur 2 plateaux différents. Donc tu as quasi peu d'attente. Ça m'est arrivé qu'une fois lors de ma leçon d'être avec quelqu'un d'autre. Sinon, c'était toujours personnel. Hop. N'oublie pas aussi tout à l'heure, comme le sol est bien mouillé, tu peux t'arrêter directement là plus loin. Ouais, donc faut que je gère mon freinage pour m'arrêter. C'est un maximum, donc même si tu t'arrêtes là malgré que tu arrives que là, on s'en fout. Parce que si on prend vraiment les freins, on s'arrête ici. Hein. Oh, il y a encore là, tu peux pas. Ouais, non, si on fait un vrai, vrai, Il y a vrai. pas d'erreur jusqu'à là-bas. Ouais. Donc si tu vois que tu peux pousser à 55-60, au moins t'es tranquille et t'as ce que tu disais un peu au Ouais. milieu. Ok. Ok, c'est parti pour l'épreuve redoutée, demi-tour passager avec le moniteur. Donc à savoir personnellement, j'ai toujours fait mon demi-tour passager avec la même personne, étant donné que c'est la personne qui va t'évaluer à l'examen, tu vas être avec cette personne à l'arrière. Hop, Paul Ricard, le Paul Ricard. Le Paul Ricard, le genou flash est 47. Nickel. Impeccable, on ralentit, chicane, bam, intérieur. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Évitement. Le truc, c'est que là, c'est bien moi, ma roue, elle est entre la ligne et le plot. Voilà, donc là, comme ça, tu vas être comme ça, on est d'accord? Donc, tu as les trois lignes. Tu as la première et la deuxième où le plot est un peu plus foncé. Ta roue, elle doit s'arrêter entre ces deux lignes-là. Elle ne doit pas dépasser le plot bleu. Ouais. Le plot qui est fort orangé, tu as le droit de marcher jusqu'à ce plot qui est là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu veux qu'on aille voir là-bas? Ouais. On sent plus ça? Parce que moi je fais ça. Donc là, je vais directement vous laisser avec une astuce que m'a donné le moniteur. En fait, je savais pas qu'on avait le droit de marcher jusqu'au premier plot. Du coup, regardez ce qu'il va me dire. Ah mais c'est plus simple. Parce que moi, à chaque fois, du coup, je partais d'ici. Ta roue avant doit se situer entre ces deux traits-là. Ouais. Et toi, tu peux marcher complètement jusqu'ici. Ah ouais. Tu l'accompagnes et t'arrêtes là. Moi je l'enlevais ici le pied. Ah ouais, non, Moi je faisais ici, je m'arrêtais et hop, allez, on y va. après, si tu arrives, tu peux le faire. Mais en sachant que tu as le droit de marcher jusqu'à un peu orange. Ouais, bah autant marcher. Bah, au moins, tu ne sais pas prendre de risque. Bah ouais. Okay.
Du coup, sur cette session d'entraînement, j'avais vraiment à demander à retravailler le demi-tour passager parce qu'on n'en avait pas fait beaucoup. Mais voilà, en fait, c'est similaire quand tu le fais tout seul, c'est quasiment la même chose. Juste bien gérer ta trajectoire et bien gérer le poids. Nous, à savoir que le plateau, il est compliqué parce qu'il n'est pas totalement plat. Donc des fois, tu as un petit peu plus de charge d'un côté ou de l'autre. Mais bon, sinon, c'est un bon entraînement. Si tu veux, bah, fais le dernier slalom uniquement. Ouais. Après, je vais commencer à débarrasser là. Et après, on Ok. va y aller tranquillement. Donc là, c'est 40 dans le slalom. Et 50 ici. Et après, il n'y a plus de limite. Tu t'éteins bien quand tu le fais, et après, tu prends bien ton temps. Comme c'est une moto qui est rabaissée, on sait jamais, tu vois. Quand tu penches, elle arrive à hauteur des pneus. Écarte-toi bien, et après, hop, tu reviens tranquillement aussi. Ok. Hop, comme si j'arrivais là avec mon petit passager. Ça va, mon petit passager, tranquille, vous allez bien. Hop, j'ai enlevé une couche de vêtements, sinon je vais être en sueur. Et hop. Après, j'arrive bien, et hop. En fait, si on a trouvé l'endroit où la moto part avec l'embrayage, on laisse comme ça, et après, c'est que du frein au pied. Là, je suis à mon embrayage, la moto part, elle roule, et pour gérer sa vitesse, je fais que du haut pied. C'est un truc de fou. Hein. Bon, moi, j'ai préféré le passer en MT. Parce que vous le savez, ça se rapproche de la R7 que j'ai achetée. Oh là là. Bon, ça y est. Ah bah là, il faut. Hein. J'ai passé premier avec la voiture de l'école. Ouais. Je vais tranquillement. Et comment on sait on passe à quelle heure? Comment? Comment on sait quelle auto-école Ah, passe en en fait, premier? tout le monde arrive à 10h. Ouais. Tout le monde, et après, c'est un tirage au sort. Donc il y a moyen que nous, on passe à 10h30. Ah, même 11h, Même normalement. 11h, midi. Midi, normalement, Ouais. normalement. On doit être rentré. Mais après, même si vous êtes, je sais pas, 10 ou 15, c'est 2 minutes par élève. Oh, ça va. Hein. Ah oui, bah en fait, à cause des essais. C'est comme si tu faisais 2 allers-retours, t'avais fini. Ouais. Donc, ça, après, du moment que c'est lancé, qu'il a contrôlé tous les papiers, etc., après, c'est tout. Après, ça va super vite. En plus, le temps, il est pas trop dégueulasse. Non, ça va, il devait pleuvoir. Bah ouais, c'est pour ça, quand j'ai vu le temps hier soir. C'était ma dernière fois en plateau, je l'espère. Je comprends pas que ce soit pas les moniteurs qui donnent le truc. Ils suivent toute ta formation. Ils savent comment tu roules et tout. Les plus à même de savoir si tu sais rouler ou pas, c'est eux. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Là, directement, on se rend à mon lieu d'examen pour passer tout simplement le plateau, à savoir qu'il y avait quand même pas mal de routes. On partait directement dans le centre-ville de Lille pour ceux qui connaissaient. Donc là, on y va, pépère, quand je vous dis qu'on révise plus la circulation que le plateau. Du coup, là, on va s'en aller, puis on se retrouvera bientôt si vous voulez pour l'examen de la circulation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Un maximum de bienveillance, on est tous en train d'apprendre et faites attention sur la I'm route. just Ciao. fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man.